Merci beaucoup. Bienvenue à tous pour ce webinaire dédié à tous nos partenaires associatifs, nouveaux comme anciens. Ce webinaire, c'est la deuxième édition de ce temps de présentation et d'échange, le premier ayant eu lieu l'année dernière, sur demande en fait des associations voilà, nous présenter finalement qu'est-ce que c'est que la filière et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc ce soir, je suis donc Cassandre Bonnet, la chef de projet de la filière d'efficience et je suis accompagnée de toute l'équipe opérationnelle qui va progressivement se présenter au long, tout au long de la soirée pour voilà, vous faire un petit panorama de pourquoi les filières de santé maladies rares, pourquoi d'efficience et finalement qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble en tant que partenaire filière de santé maladies rares et association. La présentation est enregistrée, elle sera mise à disposition en ligne sur la chaîne YouTube de la filière, donc vous pourrez tout à fait la diffuser auprès des membres de vos associations. Il n'y a absolument rien de secret dans ce qui va vous être présenté, bien au contraire. Ça va se dérouler en deux temps, un temps assez descendant et un deuxième temps de questions. Si vous avez les moindres questions, on est à votre disponibilité, à votre disposition ce soir. Donc, merci à tous de vous être connectés. Donc, la filière d'efficience, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le sujet qui va un petit peu nous occuper ce soir. Donc, au programme, une présentation un peu en entonnoir, à partir de pourquoi les filières de santé, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui découvrent un petit peu les filières avec la présentation de ce soir. Donc voilà, faire un rapide rappel. Comment est-ce que déficience s'intègre dans ce panorama? Et ensuite, comment est-ce que déficience travaille avec ses partenaires associatifs et les projets que nous pouvons porter ensemble? Donc, les filières de santé, partie prenante de la stratégie française pour les maladies rares. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maladie rare? Une maladie rare est dite rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. À ce jour, on recense entre 6000 et 8000 maladies rares qui sont identifiées et ce qui représente en fait 4,5% de la population française. À partir de là, quand on dit qu'il y a 3 millions de personnes qui sont concernées par une maladie rare, les maladies rares deviennent un sujet de santé publique. Qui touche autant les enfants que les adultes, même si la majorité des maladies rares sont découvertes pendant l'enfance, les enfants grandissent et deviennent des adultes, donc à des vrais enjeux de prise, de diagnostic et de prise en charge tout au long de la vie. Et dans 50% des cas, les maladies rares entraînent un déficit moteur, intellectuel ou sensoriel. Et donc, comme je vous disais, dès lors que, une grosse part de notre population est concernée par ces maladies rares et par ces enjeux de prise en charge et de prise en soins, on définit à ce moment-là une stratégie nationale avec en fait un financement dédié de la part du ministère de la Santé principalement, mais aussi de d'autres ministères, pour pouvoir encadrer et structurer les différents engagements de la France autour des maladies rares. Et donc c'est pour ça qu'en 2005, le Plan national maladies rares 1 a défini les maladies rares comme un enjeu de santé publique et a permis la labellisation de 131 centres hospitaliers experts appelés Centres de référence maladies rares, CRMR. Donc en 2005, vous avez en fait un premier maillage de centres experts sur des pathologies assez définies qui sont donc labellisées, qui vont recevoir des fonds pour accompagner en fait leur montée en compétences pour prendre en charge les patients. Et donc 131 centres qui vont, pour tout avouer, pas être très harmonisés ni coordonnés. Et en fait, on se rend compte que on finit toujours par voir toujours le même spécialiste et les temps d'attente sont immenses parce que ben, le spécialiste à Lyon ou à Marseille, loin des domiciles des patients et des familles. Donc c'est pour ça que dans le cadre du deuxième plan national maladies rares, en 2011, sont créées les filières de santé, donc qui vont véritablement voir le jour en 2014. Le plan les définit, mais elles voient le jour en 2014. Et le but des filières de santé maladies rares, c'est de fédérer des centres de référence autour d'un même sujet, autour d'une même thématique,
Et donc, harmoniser la prise en charge des maladies, en tout cas la connaissance des maladies rares sur tout le territoire, faire en sorte qu'il y ait des représentants et de cette connaissance-là et de ces compétences au plus proche des domiciles des familles, et donc vraiment coordonner un réseau de centres experts. C'est aussi à ce moment-là que est lancée la base nationale de données maladies rares. Voilà, un enjeu et un gros challenge pour nos centres hospitaliers. En 2018, le troisième plan national maladies rares a permis d'asseoir vraiment le rôle des filières, le rôle des centres et de pérenniser les actions mises en place dans les deux premiers plans. Et on attend encore et toujours le quatrième plan national maladies rares, dont le budget sur 5 ans a été voté l'année dernière. Mais maintenant qu'on a le budget, il faut définir voilà, les axes, les différents axes et les différents budgets alloués à ces axes-là. Et donc, c'est tout le travail qui est en cours en ce moment au sein du ministère de la Santé, de la Recherche et de l'Enseignement. Ils viennent aussi d'intégrer le ministère de l'Industrie pour avoir un gros travail dans le cadre de ce plan sur l'innovation thérapeutique et l'accès à de nouveaux médicaments. Donc voilà un petit peu le panel des plans nationaux maladies rares. Et donc les filières de santé, donc il y a 23 filières de santé maladies rares qui ont été créées donc en 2014 pour rassembler des centres experts spécialisés sur des maladies spécifiques. Donc en fait, il y a 23 filières qui se répartissent en gros 23 parties du corps. Vous allez avoir la filière des maladies rares cardiaques, la filière des maladies rares du rein, la filière des maladies rares des os, la filière des maladies rares du neurodéveloppement, etc., etc. Le rôle des filières, c'est de mettre en lien les acteurs impliqués dans la prise en charge des maladies rares qu'elles adressent. Donc nous, les filières, on est très axés sanitaires, puisqu'on fédère des équipes hospitalières. Mais on va être aussi un petit peu le pivot, un peu comme dans une équipe de handball, qui va en fait rassembler toutes les parties prenantes de la prise en charge des maladies rares pour faire travailler tout ce petit monde ensemble. Et donc, parmi ces filières de santé maladies rares se trouve donc déficience, qui est donc rattachée au... qui en charge et concerne les maladies rares du neurodéveloppement et pathologies associées. Je ne vous apprends rien. Un TND, donc un trouble du neurodéveloppement, est défini comme étant un défaut de développement des compétences cognitives attendues lors du développement psychomoteur affectif de l'enfant. Il est réparti en différentes catégories et surtout sont très souvent associés à ce qu'on va appeler des pathologies associées, avec par exemple certaines personnes des épilepsies, des troubles anxieux, des dépressions, du polyhandicap dans certaines situations, etc. On considère qu'une personne sur six est concernée par un TND en France, ou en tout cas dans le monde, et aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 5 000 personnes qui sont prises en charge pour un trouble du neurodéveloppement de cause rare ou pour une situation complexe sans cause identifiée par les centres de référence maladies rares. Pour vous donner un petit peu une idée de chiffres. Déficience, donc, c'est un réseau de centres experts des maladies rares du neurodéveloppement, comme je vous le disais. Donc, nous, vraiment notre première mission, c'est de faire travailler ensemble des équipes hospitalières qui sont voilà, expertes ou qui souhaitent devenir expertes des maladies rares du neurodéveloppement et des pathologies associées. Dans le cadre de la nouvelle labellisation, ce réseau, il comporte 42 centres de référence et 71 centres de compétences. Je vous définirai après quelle est la différence entre ces deux typologies de centres. Et ils sont répartis en 6 réseaux thématiques. Donc le réseau des épilepsies rares, le réseau des déficiences intellectuelles et polyhandicap de cause rare, les déficiences intellectuelles de cause rare, les maladies rares à expression psychiatrique, les malformations et maladies congénitales du cervelet, et enfin le réseau des centres et équipes expertes du Prader-Willi et autres obésités de cause rare avec troubles du comportement alimentaire. Très généralement, on a beaucoup de parents et de personnes concernées qui nous disent, mais en fait, nous, on peut rentrer dans plusieurs catégories. Du coup, qui est-ce qu'on va voir? En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas rendre ces réseaux hermétiques. Très souvent, en fait, le premier centre ou le premier réseau dans lequel les personnes vont entrer en contact avec les maladies rares, ça va être très souvent pour une prise en charge sur finalement peut-être le symptôme le plus prégnant dans la vie du patient.
Typiquement pour les épilepsies rares, les familles intègrent le réseau et la prise en charge par le réseau et les équipes médicales par une crise d'épilepsie et des épilepsies qu'on a du mal à comprendre. En revanche, ça n'empêche absolument pas que si la personne présente aussi une déficience intellectuelle, en fait, elle n'est pas cantonnée du tout à son CRM et épilepsie rare. L'objectif, je suis consciente que ce n'est pas toujours atteint et on a encore du travail, c'est vraiment qu'en faisant partie du réseau déficience, en tout cas de la filière déficience, les centres et les équipes se connaissent. Parfois, ce ne sont pas les mêmes services, mais du coup, faire partie de déficience, c'est aussi se connaître, savoir qu'on peut travailler ensemble et du coup, faciliter aussi les liens dans ces prises en charge qui peuvent être complexes parce qu'elles vont impliquer des équipes pluridisciplinaires dans différents services, parfois dans différents sites aussi. Donc voilà, tout l'enjeu est là. C'est de permettre à des situations complexes de rencontrer un maximum de professionnels qui appartiennent à ce réseau déficience. Donc, comme je vous le disais, la différence entre centre de référence, CRMR, et centre de compétences maladies rares. Un centre de référence maladies rares, nous, on appelle ça plus communément un réseau de centres experts, puisque vous allez voir qu'on utilise toujours les mêmes mots pour en fait parler de choses différentes. Donc, vous avez le grand centre de référence maladies rares, qui, dans notre cas, est un réseau de centres experts sur une thématique au niveau national. Et le centre de référence maladies rares est constitué, en fait, de deux types de sites, deux types d'équipes, les centres de référence constitutifs et les centres de compétences. L'objectif de la mission de prise en charge de ces deux types de centres est exactement la même. Ils assurent une prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle pour le diagnostic, la prise en charge et le suivi des personnes concernées au plus proche de leur domicile. Un centre de compétences n'est pas un rétrogradage par rapport à un centre de référence constitutif. Là où ils vont être en fait légèrement différents, c'est qu'en fait, ils ne vont pas du tout adresser les mêmes tailles de bassin de population. Donc, les centres de référence constitutifs ont une file active de minimum 75 patients par an. Vous allez me dire que c'est rien du tout. Effectivement, nous, nos centres, on est plutôt sur des minimums de file active de au moins 200 ou 300 patients par an. Mais il faut adresser toutes les maladies rares. Donc, voilà. Donc, des centres constitutifs, 75 patients par an minimum. Et des actions complémentaires qui vont être d'organiser en local l'accès à l'information, exercer un rôle de conseil et d'appui auprès des pairs, définir et mettre en œuvre des programmes de recherche, promouvoir et participer à des actions de formation sur les maladies rares. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils vont avoir toutes ces actions-là? C'est que très souvent, en fait, les centres de référence, comme ils ont une grosse file active, en fait, c'est parce que ce sont très souvent des CHU qui sont en fait constitutifs. Et donc, en fait, ils ont vraiment cette place aussi de participer à la recherche et à la formation de par leur statut. Et donc, comme il y a des très grosses files actives et des actions de formation et de sensibilisation, ils reçoivent une enveloppe financière complémentaire à ce qu'ils vont toucher dans le cadre de leur activité hospitalière classique pour pouvoir vraiment les aider à répondre à leur mission, très souvent en recrutant du personnel complémentaire dédié aux maladies rares. Les centres de compétences, on est plutôt sur des plus petits centres hospitaliers avec des équipes qui voient un petit peu moins de patients, 25 patients minimum par an, qui vont être en lien avec le centre constitutif de leur région et le centre de référence maladies rares au niveau national. Ils vont suivre les recommandations de bonnes pratiques, sont encouragés à participer à l'enseignement et à la formation et à la recherche. Et pour le coup, les centres de compétences ne reçoivent pas d'enveloppe financière complémentaire. Voilà, c'est questionnable ou pas, mais en tout cas, c'est la définition d'un centre de compétences aujourd'hui. En tout cas, il y a vraiment deux missions qui sont les mêmes, assurer la prise en charge pluridisciplinaire et faire le lien avec les professionnels hospitaliers de ville et ceux du secteur médico-social, éducatif et social sur leur territoire de santé. Donc, comme vous pouvez le voir, en termes de prise en charge, et ils ont quand même vraiment le même objectif. Il y a juste une différence de taille d'équipe et de file active, mais vraiment, vous pouvez aller auprès d'un centre de compétences sans problème si le centre de compétences est près de votre domicile. D'ailleurs, comment est-ce qu'on arrive à un CRMR ou un CCMR? On a construit, il n'y a pas très longtemps, vous l'avez peut-être vu passer sur nos réseaux, des petits mémos
qui permettent un petit peu d'expliquer le parcours vers un centre de référence maladie rare ou un centre de compétences déficience. Dans le meilleur des cas, c'est on part toujours d'une situation idéale, sachez-le, et j'en suis bien consciente que ce n'est pas forcément toujours votre parcours, mais en tout cas voilà, l'idée c'est de partir d'une situation qui interroge, une situation complexe avec des différentes difficultés et un entourage qui se sent un petit peu démuni. Dans l'idéal, la première étape est de passer par un médecin traitant qui va, on l'espère, penser à un trouble du neurodéveloppement, proposer de premières solutions d'aide avec toutes les possibilités et propositions qui peuvent exister en territoire. Si les solutions ne suffisent pas, à ce moment-là, essayer de réfléchir à est-ce que finalement on ne serait pas face à une maladie rare. Et dans ce cas-là, se tourner vers un centre de référence ou de compétences qui va donc procéder à des analyses génétiques, à un diagnostic plus complet avec des évaluations fonctionnelles notamment, et ensuite proposer des recommandations de prise en charge, ce qui permet ensuite d'avoir une meilleure prise en charge, mieux comprendre sa pathologie et pourquoi pas participer activement à la recherche, etc. Donc voilà un petit peu le parcours vers un centre de compétences ou de référence maladie rare. Ce dernier il va être actualisé parce que comme je vous le disais, pour les épilepsies, très souvent le point d'entrée en fait dans le centre est vraiment la crise d'épilepsie plus que le TND. Donc voilà, on est toujours en progression et en amélioration. Donc on va essayer de proposer un petit mémo identique pour les épilepsies rares notamment. Une fois qu'on est dans un centre de référence, il y a vraiment quelque chose qu'on pousse auprès de nos équipes, c'est d'apporter vraiment deux dimensions dans le diagnostic ou en tout cas l'évaluation faite lorsque un patient et sa famille arrivent pour un petit peu décortiquer la situation. Et donc vraiment d'appuyer toute la découverte de la personne par un diagnostic étiologique lié à une évaluation fonctionnelle. Et finalement de se dire que si on n'a pas de cause génétique identifiée, et ben en fait tout ne repose pas sur les génétiques. Au contraire, le profil fonctionnel est extrêmement important pour adapter la prise en charge. Et ce profil fonctionnel, il doit être réalisé plusieurs fois au cours de la vie, puisque comme en fait tout individu évolue au long de sa vie, et donc finalement ce profil fonctionnel il va peut-être évoluer aussi. Donc c'est vraiment ce que on pousse au sein de nos centres, c'est de proposer vraiment ces deux dimensions-là, et ce à chaque fois que le patient voilà, aux différentes étapes de sa vie, de vraiment appuyer sur ce profil fonctionnel pour avoir à la fois les spécificités de syndrome si on a un diagnostic étiologique qui correspond, et aussi une approche beaucoup plus fonctionnelle pour vraiment adapter la prise en charge et travailler main dans la main avec les professionnels de la ville et des différentes structures d'accompagnement. Donc c'est pour ça qu'au sein du centre de référence, vous allez trouver différents spécialistes qui vont faire le diagnostic, les bilans et les recommandations. Participer à différents programmes d'éducation thérapeutique, aider à mieux comprendre la pathologie, suivre des formations sur la maladie avec les proches ou uniquement pour les personnes concernées. Et aussi, du coup, avoir la possibilité de participer ou non à des programmes de recherche pour, à nouveau, mieux connaître l'évolution de la pathologie, trouver des traitements, etc. Donc, c'est vraiment le rôle du centre de référence et de compétences déficience. C'est d'évaluer et de faire des recommandations de prise en charge pour que ensuite ce soit vraiment les professionnels qui voient quotidiennement ou en tout cas le plus souvent possible la personne qui puisse suivre ces recommandations et avancer tous ensemble dans une même direction. Donc voilà un petit peu le panorama des centres de référence et des équipes expertes. Et donc finalement, la filière, on est où dans tout ça? Et bien en fait, nous, la filière, on fait en sorte que tous ces centres suivent un petit peu cette stratégie, cette double casquette diagnostic étiologique, profil fonctionnel, faire en sorte que les différents experts partagent leurs connaissances à d'autres centres, parce que qui dit maladie rare dit une pathologie qu'on ne voit pas forcément tous les jours, donc on n'est pas expert de tout, donc on va chercher l'information auprès des autres experts pour monter en compétences. Et donc vraiment la filière, c'est tous ces centres experts coordonnés
et non pilotée. Il n'y a aucun lien hiérarchique entre eux et nous, mais vraiment coordonnée par l'équipe opérationnelle. Pour le coup, le lien hiérarchique, il est avec la Direction générale de l'offre de soins, donc le ministère de la Santé, qui va nous financer et à qui on rend des comptes chaque année. Mais pour le coup, nous, on est vraiment dans une volonté de travailler ensemble et pas du tout de se rendre des comptes entre nous. Et pour le coup, tout ce que l'on va faire, on ne va pas le faire seul, on va le faire avec énormément de partenaires. Je vous en ai cité quelques-uns, mais alors il y en a encore vraiment, vraiment beaucoup d'autres, que ce soit des institutionnels, des associations, des laboratoires de recherche publics ou privés, les sociétés savantes, les groupements nationaux. Voilà, on essaye de fédérer un maximum de personnes concernées par les maladies rares. L'équipe opérationnelle d'efficience, vous en avez un très bel échantillon ce soir avec vous. Donc l'équipe, elle est composée du professeur Vincent Desportes, qui est l'animateur national, un neuropédiatre médecin qui est basé aux Hospices Civils de Lyon, et de moi-même, Cassandre Bonnet, chef de projet, qui, on va dire, un petit peu son alter ego sur le côté beaucoup plus organisation et gestion de projet. Et le professeur Desportes apporte vraiment toute la connaissance scientifique et médicale et pour que la filière avance correctement. Et donc, on est aidé dans notre tâche par une sacrée équipe de chargés de mission. Donc, Marlène, Caroline, Frédéric et Jason qui sont là ce soir et qui vont prendre la parole les uns après les autres pour vous montrer ce qu'ils font et ce que vous pouvez faire avec eux. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous proposer de porter des projets avec les centres, avec nos partenaires, avec les associations, pour toujours améliorer l'accès au diagnostic et la prise en charge des personnes sans point de rupture au cours du parcours, former et informer tous les publics, que ce soit le grand public, les médecins de ville, les médecins de nos centres sur les maladies rares du neurodéveloppement et leur prise en charge, et encourager et coordonner la recherche. En tant que filière, on n'a aucune vocation à faire de la recherche. En revanche, on peut fédérer les chercheurs et toutes les parties prenantes de la recherche pour porter des projets de recherche. Je vous ai mis quelques exemples associés à chacune de nos missions. Vous aurez bien évidemment la présentation PowerPoint qui est cliquable juste après le webinaire, donc vous pourrez aller voilà un petit peu plus fouiller sur quand on parle d'améliorer l'accès au diagnostic et la prise en charge des personnes. Voilà, on coordonne la rédaction de PNDS, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. On organise des réunions de concertation pluridisciplinaires RCP qui vont permettre de rassembler des médecins de toute la France pour di discuter de dossiers complexes et voilà permettre de faire avancer aussi la connaissance. On va participer à la création de cartes d'urgence. Créer des collaborations et partenariats pour améliorer l'accès au diagnostic génétique et fonctionnel, diffuser des différents outils sur les signes d'alerte à destination des médecins traitants et ou des pédiatres. Sur le côté formation, on va créer avec les équipes des programmes d'éducation thérapeutique, créer des outils pédagogiques accessibles, la plupart en ligne et gratuitement sur notre site internet et sur notre page YouTube. On coordonne deux diplômes universitaires sur le neurodéveloppement et la déficience intellectuelle. Donc, Frédéric vous parlera tout à l'heure. On essaie d'organiser un maximum de journées pour rassembler les professionnels autour de nos thématiques et on crée énormément de contenu, de communication et de sensibilisation sous différents canaux autour des maladies rares du neurodéveloppement. Et enfin, du coup, la recherche, comme je vous le disais, on encourage les collaborations, on met en avant des projets de recherche et des résultats d'études menées, on essaie de travailler avec les experts et les institutions pour harmoniser les bases de données, on essaye d'améliorer comme on peut l'accès à des thérapies innovantes en travaillant avec les prescripteurs et les institutions, et on travaille aussi avec l'Europe lorsque on a besoin d'aller chercher des ressources aussi dans nos pays voisins. Toutes ces ressources-là, il y en a énormément que vous pouvez trouver sur le centre de documentation de notre site internet. Alors, si j'y arrive. Hop. Notre site internet déficience.fr, donc sur la page d'accueil du site. Ici, vous avez tout d'abord la cartographie de nos centres, donc pour pouvoir trouver le numéro de téléphone du secrétariat du centre le plus proche de chez vous. Il vous suffit de cliquer sur la carte et de cliquer sur la ville qui est le plus proche de votre domicile.
Donc voici notre carte avec les différents réseaux. Mais surtout, si on retourne sur la page d'accueil, le centre de documentation avec énormément de ressources créées par déficience, mais pas que. Et même d'ailleurs, je pense que 80% du contenu n'est pas créé par nous, parce qu'on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. L'idée, c'est vraiment de faire une veille continue sur tout ce que vous proposez, sur tout ce que les institutions proposent, voilà, tout ce que les partenaires proposent. Essayer un petit peu d'être un centre, comme son nom l'indique, un centre de documentation vers lequel vous pouvez vraiment vous tourner avec des documents, des vidéos, des podcasts, des images. Avec la recherche de mots-clés, vous pouvez assez facilement tomber sur, je pense, ce que vous cherchez et toute une partie que Caroline vous décrira, mais qui est proposée en facile à lire et à comprendre avec ce petit logo. Voilà, donc essayer de proposer un maximum de contenu accessible pour les personnes avec des difficultés de compréhension. Donc voilà pour le centre de documentation sur notre site internet déficience.fr. Les partenaires associatifs de la filière déficience. Donc maintenant, on parle de vous. 70 associations et fédérations associatives sont partenaires de la filière déficience depuis sa création il y a 10 ans. Donc voilà un panorama des différentes associations qu'on retrouve sur le site internet de la filière. Donc là, ce n'est pas cliquable, mais sur le site internet, c'est cliquable et ça renvoie sur vos associations, sur vos sites associatifs. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on devient association partenaire et pourquoi? Donc déjà, pourquoi devenir partenaire de Déficience? C'est une très bonne question. Les associations partenaires sont tout d'abord informées régulièrement des projets de la filière, sont mises en avant dans les communications internes et externes de la filière. Dès qu'on a une nouvelle association qui rejoint le réseau, on en informe tous nos centres de référence et de compétences. Et quand on n'en a pas de nouvelles, on remet en lumière nos anciens partenaires. Elles peuvent être les associations partenaires peuvent être mobilisées pour contribuer à la mise en œuvre d'actions. Elles contribuent à la représentation de la filière en tant que de besoin, sont invitées à la journée nationale annuelle de la filière, qui a lieu généralement chaque année en mai, et sont invitées à différents événements nationaux et régionaux organisés par la filière. Pour la filière, en quoi est-ce que c'est important d'avoir des associations partenaires? Déjà, bah, en fait, sans les associations, on n'avance pas beaucoup, puisque vous êtes expert des maladies rares qui vous concernent. Donc déjà, on a besoin de vous pour pouvoir avancer sur nos projets. Donc on capitalise vraiment sur vos expertises. Et en plus, en fait, vous êtes aussi une source d'informations. Comme je le disais, on repartage énormément d'outils créés par nos partenaires. Et donc en fait, on diffuse des événements, on diffuse des outils qui ne sont pas du ressort de la filière. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et dès lors qu'on établit ce partenariat, voilà, on se doit de communiquer avec ce qui se passe au sein de la filière, mais à l'inverse, on attend aussi de vous que vous nous abreuviez de tout ce que vous mettez en place pour que nous aussi on puisse le diffuser. Comment devenir partenaire déficience? Les associations partenaires sont des associations de familles et personnes concernées par les maladies rares du neurodéveloppement. Les associations qui sont partenaires de la filière sont une référence dans leur domaine. Elles apportent un vrai soutien aux familles concernées. Elles ont une mission de sensibilisation concernant les pathologies et souhaitent s'investir auprès des acteurs régionaux et nationaux aux côtés de la filière. On est parfois sollicité par des petites associations de parents qui font un super travail, mais qui parfois sont centrées sur un seul enfant. Voilà. Donc il y a de la place aujourd'hui partout pour toutes ces associations. Nous, on a un vrai rôle de faire bouger les choses au niveau un peu plus national. Et donc, souvent, on conseille à ces petites associations de se rapprocher de plus grosses structures, de fédérations ou de plus grosses associations. Vers lesquelles elles trouveraient des choses en commun, des sujets communs en tout cas, pour pouvoir voilà, avancer tous à plus grande échelle, en tout cas si on souhaite devenir partenaire d'efficience. Donc comment est-ce qu'on devient partenaire d'efficience? C'est pas très compliqué. Une petite rencontre en visio d'une heure avec moi pour se présenter et surtout me faire découvrir votre association et vos missions. Une signature de la charte d'efficience, un échange d'informations de contact et la création d'une fiche mémo sur le site internet. Donc ça, c'est tout nouveau. La fiche mémo, hop, elle est ici.
Donc pour l'instant, elle n'est pas très accessible facilement sur le site, mais une fois qu'on en aura assez, ce sera vraiment mis en avant. Et une petite fiche mémo asso, c'est voilà, c'est un petit peu la carte d'identité assez rapide de votre association, avec une petite description, les représentants, les liens vers les différents réseaux. En fait, l'idée, ce n'était pas juste de renvoyer les familles vers uniquement le site internet, c'était d'aller un petit peu plus loin dans la description de l'association. Donc voilà, donc une fois qu'on est, vous êtes partenaire et que vous avez vraiment cette fiche d'identité association et qui nous ensuite nous sert à faire découvrir l'association auprès de nos centres, bien évidemment. Donc voilà pour comment et pourquoi devenir partenaire de Déficience. Et maintenant, je passe à tous les projets de la filière en lien avec les associations de patients et je vais bientôt arrêter de parler. Et récupérer un petit peu de salive. Donc tout d'abord, dans les projets communs, pourquoi être association partenaire? Parce que en fait, les associations partenaires peuvent participer aux instances stratégiques de la filière. Il y a vraiment deux lieux pour pouvoir s'impliquer. Tout d'abord, le comité stratégique, qui est consulté pour des décisions concernant les orientations stratégiques de la filière, qui va valider certaines actions, est tenu informé de l'avancement des actions du plan. Le comité stratégique se réunit deux fois par an. Il est composé des partenaires historiques, différentes fédérations qui ont participé à la création de la filière, et notamment le collectif DI. J'avais vu Olivier de Compiègne connecté au début de la rencontre. Donc voilà, il y a plusieurs partenaires historiques. L'UNAPEI fait partie aussi de ces partenaires. 12 représentants d'associations élus. Et le comité de direction Déficience, donc un représentant par réseau thématique et l'équipe opérationnelle. Il y a une vraie réflexion en cours sur la place du comité stratégique et son rôle et la valorisation du temps donné par les personnes qui est vraiment en cours. Donc vous allez sûrement voir des nouvelles choses apparaître sur ce comité stratégique parce qu'on veut vraiment lui donner une place extrêmement importante et il faut un petit peu repenser voilà, comment est-ce qu'il est. Qui sont les représentants, comment est-ce qu'on les nomme et comment est-ce que vraiment le comité est impliqué et comment on valorise cette implication. Une deuxième instance stratégique, c'est le groupe de travail DéfiLink, qui est un groupe de travail qui est assez nouveau, assez récent au sein de la filière, puisqu'il va bientôt avoir un an. Et l'objectif de ce groupe de travail, c'est de proposer et créer des outils construits avec l'équipe opérationnelle et les associations de patients et de parents. Aujourd'hui, il y a 10 représentants d'associations qui sont volontaires qui participent à ces rencontres. Il y a 5 rencontres par an en visio et dont l'aboutissement est une journée annuelle avec toutes les autres associations partenaires en décembre. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur du très pratico-pratique. C'est de ce groupe de travail qui a émergé notamment le Mémo Asso. La communauté des associations dont vous parlera Jason. Voilà, c'est vraiment de pouvoir avancer très rapidement sur des outils et sur différents projets et actions pour rendre finalement les maladies rares plus accessibles pour toutes les parties prenantes. Donc voilà pour les instances stratégiques de la filière. Et je vais laisser la parole à Jason sur la communication. Merci Cassandre. Hop, j'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, de mon côté, je m'occupe en effet d'être le point de contact en termes de communication et différents outils numériques. Donc je m'appelle Jason Marmet. Ça va bientôt faire 4 ans que je suis chez Déficience. Et ce soir, je voulais attirer votre attention sur plusieurs points. Notamment le premier qui est celui des réseaux sociaux. C'est moi le community manager entre guillemets de Déficience. On est présent donc sur quatre réseaux sociaux principaux. Hop. J'ajoute juste des personnes qui arrivent dans la conversation. Et l'idée de ces réseaux sociaux, c'est de favoriser le partage des informations qu'on a entre nos centres, entre nos associations, et ça illustre bien le travail que vous a expliqué Cassandre juste avant. On essaie d'avoir aussi un rapport de ce qui se passe au niveau des événements pour la plupart des centres et des associations et d'autres éventuels partenaires. Donc on fait une veille qu'on essaye exhaustive. Le fait qu'on soit une équipe proche, on travaille tous à Lyon, ça permet aussi que chacun puisse
repérer les informations que vous pouvez dévoiler sur les réseaux sociaux, sur vos sites internet ou des informations institutionnelles. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, mettre en commun, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn et depuis un an sur Instagram. L'idée, c'est voilà, c'est de vraiment mettre en commun toutes ces ressources et vous permettre de se dire, ah bah tiens, dans ce coin de la France, il y a un projet de recherche, un programme ETP, etc. Donc vraiment essayer de travailler cette veille-là. Ces réseaux sociaux nous permettent aussi de poster des nouveaux supports de communication ou de production. Donc notamment, depuis un moment déjà, on a notre chaîne YouTube, on a beaucoup de contenu sur notre chaîne YouTube, qui sont parfois des modules qui expliquent tel ou tel syndrome, des interviews, des témoignages, etc. Donc on a beaucoup de choses, témoignages de parents notamment, sur différents syndromes. Donc l'idée, c'est avec ces réseaux sociaux de partager pas seulement nos supports, mais aussi de vraiment faire une veille pour des personnes qui n'auraient pas forcément le temps de la réaliser. L'autre canal de communication qui a été modifié l'année dernière et qui a une nouvelle version un peu plus à jour et qui présente de nouvelles fonctionnalités depuis sa refonte, c'est donc le site internet que Cassandre vous a montré. Et chaque année, on essaye de trouver de nouvelles façons de mettre en avant le travail de nos partenaires. Grâce à DefiLink, on a pu produire le mémo Asso qu'on essaye de compléter au fur et à mesure de vos demandes, sachant que pour faire une fiche mémo, on a un modèle de fiche. Et une fois que vous nous envoyez cette fiche, on met à jour le plus vite possible sur le site internet. Le centre de documentation que vous a présenté Cassandre, c'est aussi une opportunité pour vous de nous faire passer des formations, parce qu'il n'y a pas que des documentations et des ressources vidéo, documents PDF, etc. Il y a aussi un volet catalogue de formation. Et pareil, sous volonté du défi Link, on a mis en place des recommandations associatives, entre guillemets, avec des formations que soit vous portez, soit tout simplement vous avez. Auxquelles vous avez participé et que vous souhaitez qu'elles soient mises en avant en disant que cette formation était pertinente pour tel ou tel syndrome, pour le FALC par exemple, etc., pour différentes activités qui peuvent être intéressantes. Donc l'idée, voilà, c'est de recenser tous vos retours sur ces formations-là. Donc l'idée, comme vous le voyez, c'est vraiment qu'on fédère une communauté autour des maladies rares du neurodéveloppement, que ce soit sur des réseaux sociaux, sur un côté un petit peu plus direct, ou sur le site internet qui possède maintenant beaucoup de documentation qui peuvent vous aider dans votre quotidien, dans votre recherche sur un diagnostic, etc. Donc n'hésitez pas à le consulter, surtout depuis sa refonte il y a un an et demi. Donc ça, c'est vraiment les deux outils principaux et on reviendra en fin de présentation sur d'autres éléments qui ont lieu aussi tout au long de l'année, soit au niveau des événements que des newsletters. Je vais laisser la parole à Caroline. Caroline. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Caroline Imzout. Alors je suis un peu plus âgée dans la filière parce que ça va faire 7 ans maintenant que je suis dans la filière. Et donc je suis en charge alors une partie d'information, formation et éducation thérapeutique sur laquelle je reviendrai après. Alors pour donner de la visibilité aux maladies rares, on a proposé aussi et on avait aussi validé ça avec le groupe Defiling que nous a parlé Jason, de pouvoir redonner l'opportunité à des associations de nous rejoindre sur des congrès sur lesquels on aurait de la place. Il y a certains congrès où on est en interfilière et malheureusement, on ne peut pas inviter d'associations, mais sur les congrès sur lesquels on peut le faire, on prend systématiquement un badge de plus et on fait un appel aux filières. Et donc, plusieurs filières nous ont déjà, plusieurs filières, pardon, excusez-moi, plusieurs associations nous ont déjà rejoints sur des congrès. Il y a eu plusieurs fois Aix Fragile, il y a aussi Angelman qui a pu, l'association d'Angelman qui a pu envoyer un de leurs représentants sur les congrès sur lesquels on avait un badge supplémentaire. Donc c'est un moyen de faire connaissance déjà avec certains représentants locaux, de se mieux se connaître, de connaître, voilà, de pouvoir chacun discuter de nos actions. Et puis, sur certains congrès, le représentant de l'association, quand il y avait beaucoup d'affluence, pouvait aussi bien parler des missions de la filière que le membre de l'équipe opérationnelle qui était présent et vice-versa.
Voilà, je pense que on peut avancer. Et pour renforcer ces liens qu'on crée, que ce soit sur les congrès, que ce soit dans le défi Link ou sur les liens qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, d'autres éléments de réflexion sont venus, notamment sur comment communiquer de façon plus fluide que par mail ou par visio ou par, voilà, par événement interposé, entre guillemets. Donc en décembre dernier, on a lors de la première édition de la journée des associations, il y a des thématiques qui sont revenues et notamment cette année, on vous a proposé pour les associations partenaires et surtout les membres du Défi Link, on a proposé un serveur Discord pour échanger plus facilement entre associations et équipes opérationnelles. Donc les liens sont dans la présentation. Donc l'idée, c'est de pouvoir, si jamais il y a une question, si jamais il y a un élément particulier à partager dans l'actualité, ça pouvait être un moyen un petit peu plus facile de faire de l'échange. Et ça, c'était une demande qu'on a eue l'année dernière. Donc on l'a créée cette année, on va essayer de la développer dans les mois à venir. Mais voilà, c'était une volonté un peu commune d'avoir un lieu pour se rencontrer et pour échanger plus facilement. Et justement, ce serveur Discord et ses idées de thématiques comme le Mémo Asso viennent du Défi Link et des rencontres qu'on peut faire lors de la journée des associations, où justement on fait le bilan de tout ce qui a été fait dans l'année. On évoque justement les actions, les besoins et les attentes. Et on travaille sur des thématiques communes entre équipes opérationnelles, centres et associations. Donc cette année, en décembre, on va faire le point justement sur Memo Asso, Défi Link, Discord, etc. On va faire le point, c'est le 13 décembre, vendredi 13 décembre, si je ne m'abuse. Donc il y aura aussi un partage du lien pour cette journée-là si vous souhaitez y participer. Et donc il y a des présentations des travaux qu'on a réalisés pendant l'année, mais aussi des ateliers différents. Et un petit peu de sorte de travailler de façon un petit peu plus proche et un petit peu différente que pendant l'année en cours. Et je passe le relais à Marlène. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Siga. Vous m'entendez? Moi, c'est Siga Marlène. Donc, ça fait presque 2 ans que je suis à la filière. Je suis chargée de mission affaires scientifiques et je suis pharmacienne de formation. Donc, je vais vous présenter très rapidement les projets, quelques projets sur lesquels je travaille au sein de la filière et qui peuvent représenter des opportunités de collaboration. Donc, tout d'abord, je vais commencer par les PNDS, donc les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Je coordonne la rédaction de ce document qui est la référence nationale qui standardise la prise en charge donc, des patients atteints de maladies rares. Et les objectifs principaux sont de garantir une qualité de soins homogène à travers tout le territoire, de faciliter l'accès à un diagnostic précoce et à une prise en charge adaptée. Donc, le document s'adresse aux professionnels de santé, mais aussi aux patients. Et c'est pour ça que on essaye généralement d'impliquer systématiquement les associations dans l'élaboration et la révision des PNDS. Et donc, vous pouvez contribuer, par exemple, dans la rédaction de certains chapitres, notamment ceux concernant la vie quotidienne. Et vous pouvez également, on peut réfléchir aussi ensemble à la création donc des cartes d'urgence. Et bien évidemment aussi, vous pouvez participer à la relecture avant la soumission du PNDS à l'HAS. Le deuxième, projet dont je souhaitais parler sont les clés du diagnostic. Donc, c'est un outil d'aide au diagnostic dans les maladies rares qui a été initié par les filières de la filière FAI2R et dans le cadre du PNMR 3.
Et donc, ces clés, en fait, ciblent un signe clinique classique de mode d'entrée dans la maladie rare, mais parfois fréquent dans la population générale. Et à travers une prise en charge donc en soins primaires, permet d'orienter en fait vers un diagnostic de maladie rare et vers le bon expert. Donc, afin de réduire l'errance diagnostique. Donc, vous pouvez aussi participer, si vous le souhaitez, à l'élaboration de ces clés, à la relecture donc du document et également à la diffusion des informations. Au sein de la filière, nous avons créé donc deux commissions afin d'améliorer l'accès aux thérapies innovantes. Donc la première commission, c'est la COMED, la commission médicaments, qui est dédiée aux médicaments déjà disponibles sur le ma marché et qui sont utilisés donc hors AMM au sein de nos centres. Donc, le but de cette commission est d'explorer en fait les nouveautés, les nouveaux perspectives thérapeutiques, d'encadrer les pratiques donc hors AMM au sein des centres via des demandes d'accès dérogatoires et aussi bah, de mettre en place des collaborations avec les industries pharmaceutiques parce qu'on le sait bien aujourd'hui. C'est très, voilà, c'est très compliqué d'avancer avec une molécule si on n'a pas la même vision que l'industrie pharmaceutique. Vous pouvez participer donc à cette commission en proposant donc des sujets liés à la difficulté à accéder à un traitement. Vous pouvez également faire partie donc de notre groupe de travail, des groupes de travail qu'on met en place au fur et à mesure pour un traitement, pour un médicament donné. Vous pouvez participer à l'élaboration et à la révision des pratiques. La deuxième commission qu'on a mise en place est la COMET, donc la commission essai thérapeutique, qui a maintenant un an, donc elle est tout récente. Cette commission a été créée pour faciliter la mise en œuvre des essais thérapeutiques en France. Et le but est de créer un maillage national solide pour les études multisites, d'améliorer et d'optimiser l'accès aux essais thérapeutiques et d'informer sur les essais cliniques potentiels en France. Donc, les associations peuvent également faire partie de cette commission en proposant donc des projets d'essais cliniques susceptibles d'être réalisés en France si vous êtes par exemple sollicité par un labo et vous souhaitez avoir un avis concerté. Vous pouvez également participer de façon active à des réunions pour créer ensemble donc une vision sur une vision commune sur la planification des essais cliniques, sur la mise en œuvre des essais cliniques dans nos centres. Pour finir, vous pouvez contribuer aussi à diffuser donc les informations sur des essais cliniques à venir. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Stenger, moi je suis à la filière depuis 7 ans également. Je porte plus particulièrement deux diplômes d'université qui sont dans le champ d'intérêt de la filière et de ses réseaux. Un diplôme qui s'appelle déficience intellectuelle handicap mental et qui s'adresse à des professionnels d'horizons très variés. Qu'ils soient paramédicaux, infirmières, psychologues, orthophonistes, etc., socio-éducatifs, donc directeurs d'établissement, chefs de service éducatif et des médecins aussi.
Le but, en fait, c'est de leur apporter, à travers ces deux DU, mais celui en particulier, d'apporter des connaissances communes, un langage commun, et puis d'enrichir leurs pratiques professionnelles et de développer leur réseau. Donc ça, c'est un diplôme qui se fait en une année sur trois séminaires d'une semaine, avec peu de stages, mais des observations professionnelles. Et par ailleurs, il y a un diplôme universitaire sur les troubles du neurodéveloppement qui est réservé aux médecins et qui a pour but de les former à repérer, diagnostiquer et coordonner les parcours de soins des patients. Donc ça, c'est très important par rapport à nos missions de formation, de former dans les différents territoires les médecins qui seront amenés à voir les enfants et les adultes de nos thématiques. Ce DU se fait sur 1 ou 2 ans et pareil, il comporte trois séminaires théoriques. En revanche, il a une partie pratique de stage qui est très très importante. Donc, une formation très très intense pour ces médecins qui vont dans les services de neuropédiatrie, de pédopsychiatrie, de génétique, de rééducation fonctionnelle. Ils vont voir des bilans. Enfin, c'est vraiment très complet. Et le but de ce diplôme, c'est vraiment de former des relais de terrain de proximité. Donc voilà, vous pouvez être un relais aussi, vous, pour ces formations, pour peut-être les enfants ou les adultes que vous suivez à travers vos associations dans les établissements où ils sont accueillis, pour faire connaître ces formations auprès des professionnels, parce qu'ils ne sont pas toujours très bien connus. Et voilà, en tout cas, on communique dans nos newsletters et je suis à votre disposition pour plus d'informations. Et je laisse la parole à Caroline et Jason. Merci. Alors, moi, je vais vous parler des modules e-learning. Donc, il y a plusieurs modules e-learning qui sont en ligne, qui sont sur les différents syndromes, avec à chaque fois, donc, qui sont accessibles gratuitement hein, sur le site de la filière. À chaque fois, il y a la partie scientifique qui est faite avec les médecins de nos centres de référence, une petite animation qui est faite grâce à la graphiste que nous avons depuis plusieurs années. Qui s'appelle Clémentine Marot et dont vous voyez toutes les productions, tous les dessins que vous pouvez voir sont issus du travail qu'on peut faire avec elle et qui est ensuite complétée. Ces modules sont complétés par ce qu'on a appelé les paroles de parents et donc on a eu plusieurs captations. Je crois que j'ai vu que Carole Herman était connectée. Donc la semaine dernière, par exemple, nous avons pu aller avec le vidéaste aussi, avec qui on a l'habitude de travailler depuis plusieurs années, enregistrer 5 témoignages de famille de l'association ADNP Amis. Voilà, donc ensuite on les monte et ils sont à disposition bien sûr de l'association partenaire et sur nos modules et sur notre YouTube de la filière, donc afin de sensibiliser le plus grand nombre possible. Aux maladies rares du neurodéveloppement. Et puis, les podcasts. Oui, un support qui est tout récent, sorti, premier épisode est sorti en début de mois de septembre. Et l'idée, c'était d'aborder des nouveaux supports de communication, des temps d'audio un petit peu plus lents, en bonne qualité. Donc pour l'instant, on a fait un focus sur la déficience intellectuelle en tant que telle, avec justement une intervention du professeur Desportes. Donc n'hésitez pas si ce premier épisode vous intéresse. Si vous avez des suggestions de témoignages, de choses à construire ensemble, des interviews un peu plus en direct, les idées sont bonnes à prendre, même si voilà, on a du contenu qu'on a déjà partagé sur nos chaînes respectives ou sur notre site internet, mais on est toujours à l'écoute pour de nouvelles suggestions de projets à réaliser en partenariat avec les centres, en partenariat avec les associations. Voilà, on essaye de développer plusieurs supports différents. Et du coup, n'hésitez pas à chercher Déficast sur vos applis préférées, puisqu'il est disponible et sorti sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts.
Alors, au sein de la filière, on a pu vous présenter qu'il y avait l'éducation thérapeutique, qui effectivement sont des programmes qui sont portés par et qui sont déposés par les centres experts. Mais depuis maintenant plus de 3 ans, on a essayé d'impliquer de façon régulière les parents. Donc, et nous avons aujourd'hui 18 parents qui sont formés à l'éducation thérapeutique. Certains ont été formés avec les équipes dans des sessions de formation qui sont organisées par la filière, et d'autres ont été formés par l'interfilière, puisque il y a aussi des sessions qui sont organisées en interfilière, avec à chaque fois on a 1 à 2 places maximum par session qui est pour chaque filière. Et donc à ce jour, donc 18 personnes, 18 mamans. Alors pour l'instant, nous n'avons que des mamans, mais on ne désespère pas à un moment donné d'avoir aussi des messieurs. Voilà, 18 mamans qui représentent en fait 11 associations. Alors j'ai refait le petit listing avant de me connecter. Nous avons Valentin Impact, Mieux vivre avec le syndrome de Joubert, l'association Syndrome de Dravet, l'association Angelman, association Epiora, Fragilix France, Syndrome de Rett, SCN8A France, KCNB1 France, et puis une ou deux mamans qui sont autour du polyhandicap et une maman du CESAP. Et nous avons bah, ces personnes, hein, ces mamans, ces parents ou ces aidants représentent en fait 5 réseaux. Hein. Vous avez vu qu'autour des associations que j'ai pu vous citer, on est sur 5 réseaux thématiques. Donc il y a pour l'instant que le réseau maladies rares expression psychiatrique qui n'est pas représenté. Mais je pense que dans l'année qui va venir, 2025, il devrait avoir des parents concernés aussi sur ce réseau-là ou des aidants, voire des personnes concernées elles-mêmes. Je veux bien que tu passes à la suivante. Et donc, il y a quelques mois, j'ai pu interroger donc, ces 18 personnes. Alors là, vous voyez 15 parce qu'il y en a 3 qui vont rentrer en formation. Donc, j'ai interrogé les 15 qui sont déjà formés pour savoir ce qu'elles étaient prêtes à faire avec la filière. Donc, participer à des programmes, des créations de programmes, donner ou tester leur avis sur un programme qui est en construction, tester ou donner leur avis sur des outils qui sont déjà des outils d'éducation thérapeutique, participer à la journée regard croisé. Sur les sessions de formation organisées par la filière, il y a une journée où le groupe qui est en formation accueille 10 personnes complémentaires qui viennent en fait tester leurs outils, travailler avec eux, voilà, sur ce qu'ils ont produit comme programme d'éducation thérapeutique. Souvent, on a la moitié de ces 10 personnes, donc 5 qui sont des parents qu'on fait venir. Voilà, soit les équipes ont on identifie un parent qui voudrait faire venir pour travailler avec, soit c'est moi-même avec la formatrice qui avons maintenant dans notre COPEX identifié les parents qui seraient très utiles à l'équipe pour le faire évoluer et avancer leur réflexion. Participer au groupe de travail, à un groupe de travail autour de l'éducation thérapeutique et la place du parent expert ou du patient expert. Et puis, bah, toujours sur cette même thématique, hein, pouvoir continuer à se former avec les équipes sur le partenariat en éducation thérapeutique, c'est un sujet qui nous tient à cœur au sein de la filière. Il y a une des mamans, Christine Kiefer, hein, de l'association Fragilix France, qui vient de finir un DU, construire le partenariat de soins. J'ai eu la chance de faire avec elle en duo pour qu'on puisse continuer à porter ce sujet au sein de la filière. La suite, voilà. Je te relaisse la parole ou je conserve la parole, t'as plus de. Je peux parler. Donc, effectivement, vous avez vu les différents points, donc la communication, les sujets plus scientifiques, puis ensuite la formation. Et là, on arrive un peu plus au côté un peu événementiel de la filière, même si nous ne sommes absolument pas une entreprise événementielle. On organise quelques événements et on organise des événements avec nos partenaires associatifs. Qu'est-ce qu'on organise comme type d'événement, ou en tout cas les événements auxquels on peut participer. La filière peut intervenir sur des journées des familles, elle peut intervenir ou co-construire avec les associations des journées thématiques. On peut aussi intervenir ou co-construire des workshops en présentiel ou en distanciel. Ça a été fait il y a
3 ans maintenant avec l'association Fragile X France sur le syndrome de l'X fragile en distanciel. Et on peut intervenir, alors c'est un type d'événement, au sein des rencontres des conseils d'administration des associations pour présenter la filière. En termes de thématique, pourquoi est-ce qu'on organise ensemble un événement ou est-ce qu'on participe à un événement que vous organisez? En fait, il y a vraiment deux thématiques. La première, c'est la présentation de la filière et de ses actions. Finalement, ce qu'on vous fait ce soir en façon plus ou moins condensée. Et les deuxièmes thématiques qui sont beaucoup plus vastes, ça va être les sujets maladies rares requérant une expertise de centre de référence ou de centre de compétences. Et l'idée, c'est de pouvoir intervenir avec des professionnels des centres, puisque si vous vous rappelez le début de la présentation, ils ont un vrai rôle de formation et de sensibilisation sur les maladies rares du neurodéveloppement. Qu'est-ce que la filière peut apporter dans cette organisation d'événements? On peut mettre à disposition donc l'équipe opérationnelle, on peut mettre en lien avec des professionnels des centres en local sur le territoire de là où va se tenir votre événement. On peut diffuser et communiquer via nos listes de contact sur vos événements. Donc ça, par rapport à toute la communication, ce que je vous disais, abreuver aussi nos canaux en diffusant les événements. Et on peut apporter une petite aide financière, très souvent sur deux types de coûts. Tout d'abord, les captations et retransmissions. De plus en plus d'événements sont soit en format mixte, soit ont un objectif de mettre à disposition ensuite du contenu en ligne pour la postérité. Et donc du coup, la filière peut s'engager pour financer ces captations et retransmissions avec la seule condition de pouvoir utiliser le matériel au nom de la filière aussi après l'événement. Tout ce à quoi va participer la filière a vraiment pour objectif ensuite de créer des outils pour communiquer, faire connaître, sensibiliser sur nos pathologies. Donc, dès lors qu'on va mettre un peu d'argent sur la table, l'idée, c'est vraiment de pouvoir réutiliser ensuite au maximum tout le contenu. Jusqu'à maintenant, ça n'a posé aucun problème. Voilà, ça permet en plus une seconde source de diffusion, puisque souvent, vous diffusez vous dans vos canaux et nous, on diffuse dans nos canaux aussi. Et ensuite, on peut financer les déplacements de professionnels de la filière qui peuvent participer à votre événement. Voilà, pour aider notamment si vous mobilisez des centres de compétences qui n'ont pas d'enveloppe complémentaire, ça peut permettre de les soutenir et de les encourager pour venir participer. Enfin, pour plusieurs d'entre vous connectés et d'autres associations, on a apporté aussi des aides logistiques et des aides sur les inscriptions pour des associations qui n'auraient pas d'outils internes. Ça fonctionnait très bien il y a 5 ans quand on essayait de monter ce genre de projet. Aujourd'hui, gérer les inscriptions de 70 associations partenaires, c'est impossible pour nous. C'est vraiment un travail beaucoup trop chronophage. Et donc, en fait, ce qu'on propose, c'est pour les toutes petites associations qui sont composées de 2 ou 3 membres vraiment actifs dans leur CA, voilà, de pouvoir les soutenir en proposant cet outil d'aide logistique. Et il s'avère que souvent, les plus grosses institutions, les plus grosses associations ont aussi leurs propres outils de leur côté. Donc, via le groupe de travail Défilink, c'est quelque chose qui a été acté, de pouvoir soutenir les petites associations qui ont peut-être un peu moins de moyens humains et techniques, et donc de pouvoir les aider à monter des projets et des événements. Toujours dans la réflexion du groupe Défilink, on va lancer en fin d'année un appel à projets, à événements pour l'année 2025. Notre idée, c'est en fait de recenser des sujets d'intérêt, des propositions d'événements des choses à mettre en place ensemble. Vraiment, voilà, vraiment recenser les sujets et les associations qui seraient intéressées pour porter ces sujets-là. Et ensuite, nous, on va faire un tri de regroupement et on essaiera de fédérer des associations ensemble avec nous autour d'un même sujet, avec toujours l'objectif sujet maladie rare. On ne peut pas traiter de tous les sujets. Mais voilà, garder un focus un peu maladie rare. Et du coup, en fait, de travailler à plusieurs, donc plusieurs associations avec la filière. Vraiment mettre en avant notre rôle de fédérateur et de mise en lien pour pouvoir co-organiser avec plusieurs partenaires associatifs un événement commun.
Donc, gardez l'œil parce que cet appel à projet, à événement va arriver d'ici la fin de l'année. Et ce qu'on s'est dit avec le groupe de travail de Phoenix, c'était que c'était potentiellement un moment où les associations décidaient un peu de leur sujet. Caroline, je te laisse la main. Pour illustrer une des réalisations hein, dont vous a parlé Cassandre à plusieurs associations, donc avec ma collègue de la filière Handira, on avait été sollicité par plusieurs associations pour pouvoir proposer pour les familles, pour les parents autour de la thématique de la vie affective et sexuelle un ou des événements. Et en fait, on avait opté avec le groupe de travail, donc il y avait cinq associations représentées, plus ma collègue Gwénoline et moi-même. On avait opté pour des webinaires, donc il y a eu sept webinaires entre la fin d'année 2023 et mai 2024. Toutes les thématiques, les déroulés de chaque séminaire ont été co-construits hein, avec ses parents et les différents intervenants qu'on avait pu identifier avec Gwendoline. Donc, il y a eu actuellement, ils sont encore disponibles hein, ces webinaires. Alors, seulement la partie qui est la présentation des intervenants, il y avait toute une partie qui était plus longue, qui était réservée aux échanges entre parents qui étaient présents avec l'intervenant de la thématique. Ça, on ne l'a pas enregistré, c'était volontaire pour que ça puisse rester un espace d'échange libre, surtout sur une thématique qui peut être un petit peu compliqué comme celle-là, avec des situations qui l'étaient. Mais en tout cas, sur les parties qui ont été enregistrées actuellement, il y a 230 vues en moyenne des replays, que ce soit sur la chaîne YouTube d'Andira ou sur la nôtre. On a eu 150 inscrits par webinaire et en moyenne 50 personnes qui étaient présentes en direct. Et nous avions eu la chance d'avoir le docteur Carole Durand, qui travaille à l'hôpital de Montpellier, je pense. Frédéric pourra, voilà. Frédéric me dit oui parce qu'elle la connaît. Voilà, Montpellier dans le service notamment de PMI, qui a fait le fil rouge tout le temps de ces sept webinaires et qui a pu nous faire le retour voilà, de la qualité des échanges. Et elle a été très touchée des échanges qu'elle a pu avoir avec tous les parents. On est bien conscient qu'on n'a absolument pas comment résolu tous les problèmes. Hein. C'était un premier, on va dire, de ces webinaires. On va continuer à réfléchir à la suite, voir ce que, éventuellement, sur la même thématique, on va pouvoir construire l'année prochaine, peut-être avec des actions qui vont être locales, avec un partenaire local comme les centres Intime Agir qui viennent voilà, d'apparaître sur tout le territoire national. Donc on va construire ça, mais ça fera partie notamment des thématiques qu'on proposera pour cet appel à événement 2025 d'EFILINK. Alors, l'autre sujet que je porte au sein de la filière, c'est l'accessibilité de l'information, l'accessibilité de l'information à toutes les personnes qui ont un TDI, un trouble du développement intellectuel. Donc, ça fait plusieurs années aussi où on forme voilà, les équipes au facile à lire et à comprendre. On a pu aussi proposer ces formations aux parents. Il y a encore des sessions qui vont venir. Donc, regardez bien sur le site de la filière et dans les newsletters qu'on va vous envoyer les dates, parce que vous pourrez tout à fait vous greffer sur les sessions qui auront lieu à Toulouse, à Brest, à Lille. Pour l'instant, c'est les prochaines en début 2025. Et comme l'a dit Cassandre, vous retrouvez les productions, alors qu'elles soient des productions du groupe de travail FALC, qui a aussi plusieurs parents avec nous. Et qui est là aussi commun avec Andira. Donc, on a fait plusieurs thématiques sur les dernières années autour de l'éducation thérapeutique, de la convocation, des professionnels que l'on trouve dans les centres de référence, la transition, qu'est-ce qui va se passer quand je vais passer d'un service de pédiatrie à un service d'adulte. Voilà, donc vous avez tous ces supports que vous allez retrouver avec le pictogramme FALC sur le site internet de la filière. C'est vrai que Jason a aussi noté hein, dans le chat que nous avons fait un gros travail aussi au moment de la refonte du site avec
Accessicom qui a pu nous faire une transcription hein, de la plupart de nos pages internet de pages du site en FALC. Et il y a aussi un glossaire en fin du site internet qui reprend des définitions que vous pouvez tout à fait aussi reprendre à votre compte sur les centres de référence, les centres de compétences, les maladies rares du neurodéveloppement. Voilà. Donc tout un travail qui a été fait avec des personnes concernées pour valider ces contenus. Et puis, le groupe de travail FALC, qui est donc avec des parents, ont fait que nous avions fait l'année dernière deux fiches FALC pour expliquer « Je comprends ma différence ». Donc, une sur le syndrome MYK1. 1L, pardon, qui est un syndrome qui est assez large, où il peut y avoir une déficience intellectuelle différente, pardon, de différents degrés, avec aussi d'autres troubles praxiques ou des troubles d'équilibre, ou des voilà, donc un syndrome qui est en fait finalement des symptômes assez larges et qui peut être repris, cette fiche pour comprendre ma différence sur ce syndrome-là, qui peut être repris et adapté à d'autres syndromes. Et on avait aussi travaillé avec l'AFSA, donc l'Association française pour le syndrome d'Angelman, sur une fiche donc sur le syndrome d'Angelman, qui pour le coup a. Là où les personnes ont une déficience intellectuelle plus sévère. Et donc ces deux fiches que vous retrouvez aussi sur le site internet peuvent vous servir de base pour construire vos propres fiches. Et n'hésitez pas à revenir aussi vers moi si vous voulez que l'on puisse travailler sur des fiches qui concernent vos syndromes. À la suite de ces deux productions, on a continué avec le groupe. Puisque les parents qui étaient dans ce groupe nous disaient, mais ces fiches, c'est bien, mais il faudrait peut-être un support complémentaire, pourquoi pas à type de carte. On a voilà, un outil qui s'appelle Je comprends ma différence, qui va sortir prochainement. Là, on est en train de finaliser la mise en page des cartes avec notre graphiste. C'est trois choses. Donc, c'est une première fiche qui s'appelle Je comprends ma différence, qui devrait s'appeler peut-être, parce que finalement, je comprends ma différence, c'était le mot différence avait pu, pour les familles qui ont testé, un peu heurter et dire que ce n'était pas tout à fait approprié. Donc comme dans la fiche, on explique la génétique en parlant d'une recette de cuisine, peut-être que on appellera ça chacun sa recette. En tout cas, c'est une fiche qui explique un petit peu ce qu'est la génétique et avec deux cartes où à la fin, bah, c'est... Le docteur a pris de mon sang et on m'a trouvé ce tel syndrome ou on ne m'a pas trouvé de diagnostic génétique. Par contre, on a à la suite deux jeux de cartes. Un qui dit aujourd'hui pour moi, et aujourd'hui pour moi, on a plusieurs items, parler, courir, écrire, voilà, découper. Enfin, on a une cinquantaine de cartes sur lesquelles il est possible avec la personne concernée de faire un point. Un point d'étape. Soit pour moi aujourd'hui c'est difficile et là on peut coller le petit smiley ou dessiner le smiley avec la bouche en bas. Je ne sais pas bien ou bah, pour moi ça va. Et à partir de là, quand c'est difficile ou je ne sais pas bien ou même quand ça va bien, on peut avoir des cartes complémentaires qui est qu'est-ce qui peut m'aider même si ça va bien, j'ai peut-être de l'aide ou si c'est difficile ou si je ne sais pas, peut-être que je suis aidée par des personnes. Et à ce moment-là, on a tous les professionnels, on a la famille, on a les amis, on a ces cartes-là, mais aussi par de la technologie. Alors, ça peut être un fauteuil, bien sûr, mais ça peut être une tablette, ça peut être un timer. Enfin, on a plusieurs choses. Et puis, on a, parce que c'était une demande du groupe, on a aussi les animaux et d'autres choses. Et donc, cet outil-là, tous les supports numériques seront mis à disposition sur le site de la filière dans les semaines à venir. Et pour aujourd'hui, pour moi et ce qui peut m'aider, il y aura aussi des cartes vierges qui seront transformables, enfin, qui seront modifiables. Vous aurez l'environnement, le petit, voilà, mais vous pourrez créer vos propres cartes, celles auxquelles on n'aurait pas pensé ou celles qui seront trop spécifiques ou très spécifiques au syndrome et qui n'ont pas fait partie du travail de ce groupe qui était de rechercher des cartes qui étaient transversales à toutes nos associations pour permettre d'avoir un socle le plus large possible pour tous.
Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe pour ce panorama de projets. Il y a beaucoup de choses et on peut encore construire beaucoup de choses ensemble. L'année prochaine, le webinaire durera 4h30. Donc, on va terminer sur quelques points d'actualité et d'agenda avec différentes dates que vous pouvez noter de votre côté. Et ensuite, on passera un temps de questions pour, voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à y réfléchir dès maintenant. Je vais laisser Caroline présenter la journée des associations du 13 décembre prochain. Oui. Donc voilà, c'est la deuxième journée qu'on va organiser, comme peut vous dire Cassandre et Jason. Donc on se retrouve, c'est une journée qui se veut vraiment collaborative et on se met au travail. Alors pour ceux qui l'ont expérimenté l'année dernière, hein, c'est une production. Donc le matin, on fera un retour sur ce qu'on a pu faire toute cette année avec le groupe des Feelings. Et justement, on actera quels événements on veut promouvoir l'année prochaine et construire ensemble. Et l'après-midi, on aura un sujet qui revient régulièrement et qui nous tient aussi à cœur là, dans la filière sur la dernière année notamment. C'est comment l'engagement, comment on peut, quel partenariat et comment on peut reconnaître l'engagement des représentants associatifs au sein de la filière. Et là, bah, sur tous les différents comités dont vous avez pu entendre parler. Eh bien, comment on travaille ensemble, quel cadre on se pose mutuellement, et comment on reconnaît aussi l'investissement mutuel dans ce cadre-là. Donc, venez nombreux travailler avec nous. Je pense que l'année dernière, ceux qui sont venus n'ont pas regretté. Donc, on espère que cette année, ça sera pareil. Non, je vais laisser Marlène vous présenter ces journées recherches que nous renouvelons pour la deuxième fois de notre histoire. Ouais. Donc, la filière organise le 14 et 15 mai. C'est pas la bonne Non, date sur le c'est pas la bonne flyer. date, c'est OK, 15 le mai. 15 et 16 mai, ça m'a perturbé. Non. Donc, la filière organise le 15 et 16 mai, donc jeudi et vendredi. 15 et 16 mai 2025, donc les journées recherche. Donc, c'est la deuxième édition des journées recherche et ça sera sur le même format que les journées recherche 2023. Donc, l'événement aura lieu à Paris et vous recevrez très bientôt les informations concernant l'inscription, le thème et le programme. Vous aurez la possibilité aussi d'avoir un stand et un poster. Et peut-être ramener quelques flyers aussi pour pouvoir parler de votre association. En tout cas, on espère de reproduire ce format-là. Donc, nous espérons de vous voir nombreux lors de cet événement. Marlène. Et enfin, Jason va vous présenter ces newsletters dont on a parlé en fait tout au long de notre présentation pour clôturer. Oui, en effet, merci. Donc, il y a pour présenter très rapidement la grosse newsletter, c'est la Défi News qui sort deux fois par an. On a pris ce format puisque l'idée, c'est pas que vous receviez des mails en permanence pendant l'année. Donc, on s'est dit que deux fois par an, on fait le point en janvier pour la nouvelle année et tout début juillet au milieu de l'année pour faire un petit panorama de ce qui s'est passé au sein de la filière. On en profite aussi pour partager agenda, actualité, projet, zoom sur certains éléments que vous pouvez nous proposer. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire quelque chose qui ne vient pas, voilà, spammer vos boîtes mail et qui est assez succinct. On présente rapidement les différents outils, les différents événements, et l'idée, c'est de engager le lecteur à creuser et à se rendre sur les sites des associations, sur les sites des éventuels centres de référence et de compétences, ou sur nos différents supports ou produits, etc., qu'on a pu vous proposer pendant ce webinaire. Et l'autre newsletter, qui celle-ci est vraiment dédié aux associations, c'est la Défi Link, qui a le même nom que le groupe de travail, puisqu'en général, c'est pour communiquer sur les actions qu'on réalise avec ce groupe de travail. Et là, pour le coup, il n'y a pas de parution avec régularité, entre guillemets. C'est quand, avec le groupe de travail, on décide qu'il y a des sujets sur lesquels on peut communiquer avec vous. En général, on fait un Défi Link à la suite.
Donc là, c'est un format plus court qui est en général directement envoyé dans vos boîtes mail. Et pareil, on évite de trop surcharger d'envoi. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur ces deux formats lorsque vous les recevrez. Donc voilà, Défi News en janvier et en juillet, et Défi Link assez régulièrement tout au long de l'année pour que vous puissiez suivre les actualités de ce groupe de travail. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre présentation qui était très dense, mais ça vous donne vraiment un beau panorama de ce qu'est la filière, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on peut faire ensemble. Et comme je vous le disais, la liste est loin d'être exhaustive. On peut encore créer beaucoup. Le prochain plan va nous donner encore des perspectives sur les 5 prochaines années. La filière va être relabellisée pour 5 ans. Donc voilà, pareil, une nouvelle dynamique avec cette belle équipe opérationnelle et bien sûr, vous tous, partenaires associatifs. Donc suivez-nous sur les réseaux. Vous allez avoir accès à la présentation. Donc on va vous l'envoyer dans vos boîtes mail. Elle sera cliquable directement sur les slides et en plus la version enregistrée de ce webinaire pour pouvoir le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous avez quelques questions, puisqu'on a pris beaucoup beaucoup de temps, merci d'être encore là. Merci pour votre écoute. La parole est ouverte. Oui, Oui, Christine Gaillard, je vous voilà, laisse. excusez-moi, je remets la vidéo. Bonsoir, ben, merci pour cette présentation. Hein. Je trouve qu'elle est large et elle démontre bien l'ensemble de vos activités. On n'a pas toujours le temps de bien observer, donc merci. Moi, j'avais une question sur, peut-être je me trompe, sur le groupe de travail TND Aura, c'est ça? Alors, le groupe de travail TND Aura, ça va pas être nous qui le portons. Là, je ne peux pas vous aider. Ok, bon, bah c'est Mais effectivement, je me suis. on peut essayer je vais essayer de me renseigner et je me rapprocherai vers vous de vous. J'ai votre nom, donc je Je vais me suis désinscrite du mail du coup, parce que je ne voyais pas ce que je faisais dedans. Je n'avais pas été informée au préalable et je pensais que c'était Déficience qui portait ça, donc excusez-moi. Groupe Voilà. TND Aura, non, c'est pas nous. Ok, merci Mia. Excusez-moi. Pas de soucis. Vous avez d'autres questions, on a été extrêmement clair. En tout cas, vous avez vraiment tous nos contacts. Nos petites photos, nos contacts, on est vraiment à votre disposition, assez réactif par mail. Oui, Madame Le Bailly du Oui, je voulais juste déjà vous dire merci pour cette belle présentation qui a très bien expliqué un réseau assez complexe quand même, avec beaucoup, beaucoup de gens engagés qui sont derrière, qui travaillent. Moi, je vois surtout sur les réseaux ce qui se passe. J'ai pas encore trouvé l'occasion de vous rencontrer en direct une fois au congrès à Paris. Mais moi, donc notre association, nous, ça nous intéresserait de travailler avec vous. J'ai vu quelques pistes dans votre présentation qui pourraient nous intéresser. En sachant qu'on est une très petite association et que le travail repose sur quelques épaules de parents et que ce n'est pas toujours simple. On aimerait faire plein de choses, mais en fait, dans la réalité, Oui, tout à fait conscient. voilà. Voilà. Et à qui je peux m'adresser pour concrétiser certaines choses? Eh bien, n'hésitez pas à m'écrire à moi déjà pour commencer. Je vais vous mettre à tous mon adresse mail, comme ça vous l'aurez déjà ce soir. Voilà. OK. Hop, dans le chat. Et voilà. Et ensuite, on voit comment est-ce qu'on avance avec Bon, plaisir. on fait comme ça. OK. Merci à vous. Avec plaisir. Pour Au revoir. la fiche mémo asso, oui, effectivement, n'hésitez pas à envoyer un mail à Jason Marmet qui vous enverra du coup le si on s'est déjà rencontré, mais je sais qu'on s'est déjà rencontré, Mélissa. Oui, lors du congrès, oui, à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, oui. Oui, tout à fait, Madame Le Bailly, Oui. exact. Et donc, pour ceux qu'on a déjà rencontrés, voilà, n'hésitez pas à remplir le petit. Template que vous fait suivre Jason et à nous le faire suivre pour qu'on puisse créer votre fiche mémo à soi. OK, bon, je m'en occuperai dès demain. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.
Merci à vous aussi. Oui, je l'ai déposé dans le chat si jamais vous voulez le télécharger, hein. Le template est disponible et vous pouvez l'envoyer, comme l'a dit Cassandre, à mon adresse directement et on mettra à jour sur le site dans la foulée. Moi, j'avais une Merci petite beaucoup. Oui. Moi, j'avais une petite question à tous. Est-ce que tous vous recevez au moins Défi News? Est-ce que vous avez reçu déjà le Défi Link? Et si vous le recevez, est-ce que vous avez pu le faire passer aussi aux autres membres de vos associations? Parce que c'est vrai qu'on se lance dans la communication parce qu'on n'est pas toujours, on se dit qu'on communique pas toujours bien, mais on voudrait savoir si ce qu'on fait, ça arrive jusqu'au bout, si ça arrive jusqu'à vous. Défi Link, moi personnellement, Défi News, oui, j'ai reçu. Mais Défi Link, peut-être que je n'ai pas fait attention qu'il y avait Défi Link aussi. Mais Défi News, oui, et je lis. Et je lis dans ma boîte mail et je suis aussi sur le réseau, sur Facebook surtout, où je vous suis, oui. Voilà. Et c'est très Merci intéressant. beaucoup. Pour nous, c'est une grande aide, pour nous, association. Pour se repérer, pour voilà. C'est le but. Mais oui, effectivement, on compte aussi effectivement sur toutes les personnes de vos associations pour faire passer l'info. Parce qu'on sait que on arrive dans des spams. Le meilleur moyen de communiquer n'existe pas encore. Donc voilà, on essaye plein, plein, plein de canaux différents pour atteindre nos cibles. Sachez que même auprès de nos centres médicaux, on n'y arrive pas toujours. Donc c'est pareil, on essaye de repérer un peu nos biais et pour pouvoir faire passer notre information. Donc voilà, n'hésitez pas. Souvent, on a pour sûr les adresses génériques, en tout cas les adresses des présidents et des secrétaires des assos. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour qu'ils puissent ensuite faire redescendre. Alors, en fait, ce qu'on fait, on a nous-mêmes notre newsletter pour nos parents, 3 fois par an. Et moi, comment dire, je picote les informations qui sont intéressantes pour nos parents. Super. Et c'est ce que je transmets dans notre newsletter. Voilà, je mets pas votre newsletter Ouais. Non, mais c'est très bien. C'est en une complet, vous voyez, démocratie. mais je choisis les informations qui peuvent être pertinentes pour nos familles. Voilà. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. C'est tant que l'information arrive, peu importe le format. Oui. Et c'est très bien. Merci. Et juste, je suis Mélissa de l'association KCNBA France. Par rapport à des événements importants qu'une asso peut être amenée à organiser, que ce soit, là, on va se lancer dans notre deuxième projet qu'on avait fait l'année dernière en fin d'année, je ne vais pas rentrer dans les détails là ce soir. Rappelez-moi, qui est-ce qu'on contacte au sein de Déficience pour tout ça? Alors, vous pouvez me contacter moi D'accord. et ou Caroline. Oui, on est pour le côté événement, on recense un peu parce que OK. Caroline est dans l'axe formation. Parfois, on peut arriver à trouver un lien avec la formation. D'accord. Parce qu'on a deux gros, enfin là, j'ai deux gros sujets actuellement et je pense qu'effectivement, ce serait bien, mais comme on signe à chaque fois, c'est que la difficulté, c'est pas un manque de motivation de solliciter, de participer, c'est toujours parfois ce manque de moyens de pouvoir être présent un peu partout. Et voilà, mais en tout cas, merci pour la présentation de ce soir. Elle était vraiment, effectivement, enfin, ça fait du bien de bien, voilà, de bien reposer les choses et de bien identifier toutes les missions que vous proposez au sein de la filière. Et c'est hyper motivant de pouvoir voilà, de se réimpliquer un peu plus. Voilà. En tout cas, c'est le souhait qu'on a, nous, au niveau de l'association. Voilà. Super. Bah, vraiment, n'hésitez pas du tout. C'est souvent ce que je dis, ce que je vous avais dit effectivement, Mélissa, mais ce que je dis souvent au président des associations, c'est ne pas hésiter à nous solliciter. Au pire, on n'est pas les bonnes personnes. Au mieux, on est les bonnes personnes. Donc voilà. Bah après, c'est vrai que nous, on a tellement, depuis la création, finalement, c'est tellement un peu débrouillé seul, parce qu'on n'avait pas la connaissance, et on a un peu conservé cette mauvaise habitude, si je peux dire, enfin, voilà, si je peux exprimer ça de cette façon. Notamment, je pense aux conférences internationales, tout ça qu'on organise chaque année. Là, on est en train de préparer celle de mai 2025 avec le professeur Nabout et Julie Tharaoui. Qui fait maintenant partie de l'équipe du RHU. Donc vraiment, on a beaucoup. Je pense qu'effectivement, ce serait bien qu'on se reprenne un temps d'échange sur toutes les choses qu'on a en tête actuellement au niveau nous de l'asso. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus, mais voilà, on va Avec vous super contacter très plaisir. vite.
Avec Laetitia, notamment. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir, merci à vous. N'hésitez pas par le site de la filière, vous pouvez vous inscrire tous individuellement à la newsletter au moins Défi News et puis nous demander après pour Défi Link. Mais si on a la Défi News et que, enfin, si on a votre adresse pour la Défi News et qu'on voit que vous êtes une association, on vous rentrera automatiquement dans la Défi Link. Donc n'hésitez pas. Et que vous soyez, si vous n'êtes pas président, mais que vous êtes, voilà, et de partager aussi ce lien pour aller pour inscrire chacun de vos adhérents, parce que comme ça, chacun peut aussi piocher à son rythme les informations. Merci. Il est 22 h, je pense que c'est un bon timing pour, pour couper les visios pour la journée. En tout cas, un grand merci de vous être connecté, d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas du tout à faire connaître cette présentation à toutes les personnes de vos associations que vous rencontreriez lors d'événements, de journées, etc. On refera ça l'année prochaine pour les nouveaux entrants. Voilà, y a toujours besoin de refaire du lien et de réexpliquer. Et puis voilà, franchement, n'hésitez pas du tout, sollicitez vos conseils d'administration pour qu'on puisse avancer ensemble. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci à tous, merci à l'équipe opérationnelle d'Efficience pour la présentation. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir, merci Merci, au beaucoup. revoir. Bonne Bonsoir. Au revoir, Oui. merci. Merci, bonne soirée. Au Bonne revoir, soirée merci. également. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir.